This is it, Xbox One. Yo les gens, c'est NeoZing pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le venez de voir au début de la vidéo, on vient de voir la Xbox 720 ou Infinity sur le Xbox Reveal, ouais, bref. Et je suis en compagnie de Dream, salut à toi. Ouais, salut tout le monde. Et alors, je sais pourquoi t'as pas mis tout le truc au complet. Bah parce que déjà on en a rien à faire de ce qu'il dit, parce qu'il parle en anglais. Et aussi ce qui nous intéresse, c'est la Xbox 720. Ce que vous pouvez faire, vous allez regarder d'autres vidéos, blablabla. Mais moi ce que je vous montre là, c'est la Xbox 720. Dream, tu trouves pas qu'elle est magnifique? Bon, on dirait une boîte, mais bon, la manette est stylée. Hein. On dirait un lecteur DVD. Mais ouais, mais en fait, la Xbox, c'est Xbox One. Non. Vous avez comme ça? Si, Xbox One, oui, si. C'est pas Xbox 720, ni Xbox Infinity, ou je sais pas quoi. Oh non. C'est Xbox One. Ok, bah la première Xbox, non mais allô, quoi. Mais, ce qu'on sait, c'est que depuis le début, on avait la Kinect qui allait être installée, plus l'Xbox. Et ben là, ce qu'ils viennent de nous offrir, c'est de nous montrer directement la manette, la Xbox, le total. Pas comme, comme Sony, hein, parce que Sony, ils ont préféré attendre que Xbox, bah, que Microsoft qui sorte la Xbox One. Si c'est comme ça, ben ils ont attendu et ben voilà, ben maintenant ils sont contents. Ah ben, non, ils ont attendu, hein. La PS4 a été montrée. Hein. Bah ben, ouais, voilà. Ben ils l'ont montré en même temps. La PS4, le projet de la PS4 était dévoilé déjà, parce qu'il y avait même des dates de sortie de jeu qui étaient déjà prévues sur la plateforme PS4 et il n'y en a pas encore prévu pour la plateforme Xbox. Bah ben, pour la toute dernière Xbox, pas encore. Mais moi je trouve, je sais pas ton avis, mais la manette je trouve qu'elle est super stylée. Hein. Parce que elle a les boutons. Quand on regarde la manette de maintenant, bah les boutons ils ont l'air plus stylés, plus adaptés au mode de jeu. Au jeu. Oui, mais je trouve aussi que cette manette elle ressemble un peu à celle de la Xbox, la toute première Xbox. Je sais pas si t'as vu, mais au-dessus il y avait un petit truc en plus là, au-dessus, je sais pas à quoi ça sert. Et les boutons ils étaient un petit peu plus arrondis et fort creux. Mais moi je trouve que c'est stylé. Et ce qu'il y a, je crois que si j'ai bien vu, il y avait pas de bouton avec un X au milieu. Si, non, voilà. Oui, voilà, il n'y avait pas le X au milieu, ouais. Je sais pas qu'est-ce que c'était. Mais la manette, elle ressemble trop à la manette de la Xbox. Ouais. La toute première Xbox, là, c'est qui t'en en cul, mais quoi? Toute carrée, c'est là, on peut dire qu'elle était carrée. Les manettes, même qu'ils étaient à fil, et elle était grosse comme ça, on dirait vraiment une manette de Xbox normale. Ils auraient pu prendre plus petit, parce que je trouve qu'elle est plus grosse que celle que maintenant. Mais voilà. Oh, bref, ce qu'on sait, c'est que bah, moi, perso, je suis content de l'avoir dévoilé. Mais ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'ils ont fait la Xbox un petit peu trop carré. On dirait vraiment un petit cube. Ouais, je sais pas. C'est... un rectangle. Ouais, voilà, un rectangle, mais bon, ça fait une boîte, quoi. C'est une boîte. Moi, ce que je trouve là-dedans, c'est seulement la manette, elle est bien. C'est ça. Mais sinon, la Xbox, ce qu'il y a, c'est que le design de la Xbox 360 par rapport à cette nouvelle Xbox, bah, le design est carrément différent. Moi, je préfère le design de la Xbox de maintenant que la nouvelle. Mais à part les manettes, bah, moi, je préfère la nouvelle que l'ancienne. Alors, c'est un petit peu dommage. En même temps, regarde, ça va te faire une console à combien? Si tu achètes, ça te fait un console cher, hein. Ouais, bah, 500 euros. Bah voilà, c'est 100 euros. T'es sérieux, là? Mais 700, ce qu'il faut dire, c'est que... On achète quoi, la Xbox One ou la PS4? Ok, bon, le design de la PS4, il est mieux. Mais la Xbox One, elle a l'air mieux aussi. Alors...
Je sais pas, moi. C'est... Voilà, quoi. PS4, c'est sûr qu'il y a des jeux qui vont sortir dessus. C'est sûr qu'elle va sortir. Xbox One, tu vois juste là le prototype. Ben, prototype, tu laisses là la console. Mais tu sais même pas si elle va sortir dans longtemps ou dans pas longtemps. Alors que la PS4, t'es sûr qu'elle va sortir dans pas longtemps. Elle a été dévoilée. Des jeux vont sortir dessus et tout ça. Donc, voilà, quoi. Pour l'instant, ça serait la PS4 parce qu'à mon avis, c'est la PS4 qui va sortir en première. Attends, j'aurais voulu marquer 2013. Star Trek. Vraiment, je sais pas parce que sur l'écran, j'ai vu 2013. Ça se trouve, elle va sortir en 2013, lol. Mais bah voilà, bah moi, vraiment, je suis fier d'avoir pu vous montrer cette Xbox One. Mais je crois que c'est One, hein, parce qu'il est marqué One. Ne me prenez pas pour un débile si c'est Infinite ou un truc comme ça. Hein. Mais vraiment, je suis bien content de vous montrer ça. Et ouais, je suis content que la Xbox 720 soit dévoilée. Le 720 et One, elles sont dévoilées. Je suis content. Mais bon. C'est à quoi s'attendre maintenant? C'est à quoi s'attendre, mais c'est dommage qu'ils font une Xbox carrée comme ça. Ouais, mais à ton avis, sur cette Xbox, on pourrait récupérer nos comptes de Xbox 360? Ah, je pense pas, tu sais. Parce que je crois que les jeux, ils vont laisser les Call of de maintenant, là, les gosses et tout ça sur 360. Et après, ils vont clôturer tout ce côté-là. Ils vont faire des nouveaux Call of sur 720. Qui sera pas sur 360. Hein. Je crois pas que les comptes, on pourra les récupérer. Ils vont rester dans le truc marketing. En gros, ça dit, ils vont pas te faire mettre ton compte sur la nouvelle. Donc, en gros, tu devras racheter du live. Ouais, pour qu'ils gagnent de l'argent, quoi. Là, tu devras te refaire acheter les jeux qui coûtent trop cher. La console qui coûtera cher, ça reste juste pour l'argent. Bah après, ce qui serait bien de leur part, c'est de... Et... Oh, les gens, il y a Skype intégré aussi. Vous voyez? Tu vois Dream? Skype. Ouais, ouais. Skype. Et ça, c'est dans la console, ça. Dans la console, magnifique. Mais vraiment... Xbox, watch ESPN. Oh lolo. Ça serait bien quand même qu'on puisse récupérer nos comptes parce que, allez, quand je regarde, si on paye du live et tout, ça nous fait déjà cher. Déjà, augmenter les levels et acheter des jeux quand même qui sont pas gratuits, quoi. Déjà, minimum 60 € pour un jeu. Ça serait vraiment bien qu'on puisse récupérer nos comptes sur Xbox One. Bref. Really one of my favorites here, and that stats update line. Bref. Ouais. Ah bah là on voit Romeo Lukaku, non j'ai con. Esprit. Ah voilà bah les abonnés, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu hein. J'espère que vous êtes scotchés là comme moi et j'espère que Dream aussi que vous êtes là sur votre chaise là. Mais vraiment. Ah, moi je suis vraiment content. Bon bref, allez, je vous fais plein de bisous. Likez, abonnez-vous. Et Dream, je veux dire deux trois petits trucs pour ton amoureuse ou autre chose. Ouais, tchuss, au revoir les gens. Allez, bye.